Oh, que vois-je? Mais quelle est cette sculpture? Tu plaisantes ou quoi? C'est la petite danseuse de 14 ans d'Edgar Degas. Ah, c'est pour ça qu'elle a cette posture? Non, cela n'a rien à voir. La petite danseuse de 14 ans a fait polémique car elle détenait de vrais cheveux et de vrais vêtements. Et les gens la traitaient souvent de singe. C'est vrai, mais en y repensant, c'est un peu la vérité. Elle est dérangeante quand on la voit de près. C'est bizarre de voir une sculpture avec de vrais habits. Je suis d'accord avec toi. Elle n'est pas très chic. Il se fait tard, nous devrions y aller. Tu as raison, rentrons. C'était une journée très chargée. Minuit 5. La petite danse s'éveille et le musée prend vie comme par magie. Oh purée, elle m'a crevé cette journée, sérieux. Avec les deux abrutis là tout à l'heure, avec leur langage de bourge, on n'est plus au 19e siècle. Hein. Et pourquoi je suis sapée comme ça avec cette serpillière? Et pourquoi je me souviens de rien? J'aimerais pouvoir me souvenir de ce que j'étais avant. Savoir si je suis comme maintenant, ou si j'étais comme les deux autres de tout à l'heure. Cela m'angoisse un peu. Et pourquoi je peux pas courir comme l'autre là qui court après sa boule? Baudelaire avait raison. Je suis comme le laitier. Je coule sans peine, sans savoir où aller. Je préfère mourir. Mourir plutôt que vivre. Quelqu'un arrive. Pauvre enfant, qui a dû se prostituer pour subvenir à ses besoins. C'est dur de savoir qu'à 17 ans, sa vie et par conséquent sa réputation ont été bafouées. C'est la première fois en 102 ans que quelqu'un est aussi gentil avec moi. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ma famille et pour subvenir à mes besoins. C'est rare que les gens soient gentils avec moi.